Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Nyanskripa. En dessous de cette vidéo, surtout s'abonner. Si vous n'êtes pas abonné, veuillez cliquer là-dessus. Abonnez-vous et activez la cloche pour ne pas manquer tout simplement nos prochaines vidéos. La musique. Quand la musique est utilisée par le diable comme une arme, qu'est-ce que ça donne? C'est de ça que nous allons parler ici. Ce que vous devez savoir, mes frères et sœurs, c'est que la plupart du temps, les musiques sont accompagnées par les clips musicaux. En fait, ce sont des clips, des vidéos qui les accompagnent, juste pour illustrer la totalité de la pensée de celui-même qui vient de créer cette musique. Et dans ces clips, on peut clairement voir s'exprimer vraiment ces stars qu'on aime bien et qu'on aime regarder. Et c'est aussi le lieu où ils décident de nous montrer leur état d'âme. Mais foutez-vous, peut-être que vous ne le savez pas. Si vous ne le savez pas, aujourd'hui, nous allons tout découvrir ici, mes frères et sœurs. Ça va être chaud. Mes frères et sœurs, c'est extraordinaire ce que Dieu fait de ses enfants. C'est aussi méchant ce que le diable fait contre nous. Dans la mesure où le diable a voulu nous plonger dans un état d'ignorance afin de nous tuer. Vous allez comprendre ici. Qu'est-ce que nous dit de la parole de Dieu par rapport au style vestimentaire? Dans l'ensemble, Dieu nous demande de bien nous vêtir. Dans l'ensemble, Dieu nous demande de bien nous habiller, n'est-ce pas? Mais bien sûr que oui. Comme Dieu nous demande de bien nous vêtir et de bien nous habiller, qu'est-ce que le diable va faire? Le diable va veiller à ce que nous, on s'habille mal. On s'habille de façon à énerver notre Dieu. Et il ne peut pas descendre, il ne peut pas sortir du sol ou encore de la terre. Vous venez nous dire directement, habille-toi comme je veux que tu t'habilles. Tu te plais à ton Dieu. Il va tout simplement utiliser un moyen, un instrument. Et cet instrument-là, c'est la musique. Ou encore les clips musicaux qui les accompagnent. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand tu vas écouter la chanson, au premier niveau, tu seras convaincu, tu seras content, puisque la musique, le son a été bien fait. C'est comme ça qu'on parle chez nous. On dit que le son a été bien travaillé, tout est parfait. Mais ce qui est sûr, c'est que cette musique-là, quand elle s'accompagne d'un clip, tu comprends mieux ce qui se passe clairement dans la chanson. Imagine, tu écoutes une chanson où on te parle des choses de la vie, comment tu as fait pour réussir, et on te dit par exemple que tu vas finir par sortir des difficultés si tu persévères. Là, tu es content. Mais quand tu viens regarder le clip et que cette même personne qui est en train de chanter, que tu as obligé d'entendre là, elle se met dans le clip à te montrer des femmes nues ou encore des femmes sexy, et même des symboles occultes, des signes sataniques, qu'est-ce que tu vas dire? Tu vas dire qu'on dirait que la personne est en train de jouer à un jeu. Ou la personne qui chante veut en fait te tromper. Quand tu écoutes le son, tu es convaincu. Mais quand tu vois le clip, tu es découragé. Si tu as une bonne valeur, si toi tu aimes Dieu, forcément, quand tu vas voir le clip, tu vas te poser des questions. C'est pourquoi il est recommandé de regarder un clip sans le son en bas, pour bien le comprendre, pour voir tout ce qui est caché. Parce qu'un clip n'est pas seulement un clip, c'est un message publicitaire. Voilà.
Il y a des messages subliminaux. Il y a des messages cachés qu'on fait passer au travers des clips. C'est comme ça, les clips sont comme ça aujourd'hui. Et ces messages-là parlent de trois grands éléments. Sexe, drogue, argent. Sexe, drogue, argent. Sexe, drogue, argent. C'est connu. C'est vraiment connu. Vous ne me direz pas que vous n'êtes pas informé. C'est réel. Sexe, drogue et argent. Dès que tu retrouves tous ces trois éléments dans le clip, toi tu dois te mettre dans la tête que le diable est là. Chez les chrétiens, on dit quoi? On dit que Dieu est composé de trois éléments, non? On dit le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Le diable aussi l'a créé ces trois éléments. Sexe, drogue, argent. En fait, tout ça, ce sont les choses qui vont tout simplement te conduire dans les problèmes plus tard. Donc la musique que j'ai écouté là, elle a été travaillée par le diable, en plus de ce clip, pour te préparer à entrer dans les problèmes ou encore à désobéir à Dieu. C'est ça, mais la conséquence, le but de la musique profane ou encore ses conséquences. Mes frères et sœurs, vous devez être prudents. Vous devez vraiment plus prudents. Pourquoi nous vous disons toutes ces choses aujourd'hui? Pourquoi ce matin on s'est levé comme ça pour venir vous parler de ce jeu? On ne se lève pas pour rien. On ne se lève pas comme ça pour venir. Non, il ne faut même pas te dire que c'est parce qu'on s'est levé. Non, mon frère, premièrement, il faut savoir que Dieu t'aime. Et si Dieu permet qu'il y ait sur la tête des gens comme ça qui veulent te parler de ces vraies choses à gens pour préserver ta vie, il faut te réjouir parce que bientôt, il n'y en aura plus sur la terre. Les gens passeront le temps à vous mentir maintenant pour de l'argent. Je vous parle de quelque chose. Hein. Je vous parle de quelque chose. Donc c'est Dieu lui-même qui veut t'enseigner. Qui veut t'amener à ouvrir les yeux sur ce que tu écoutes. Dès que tu vois le clip là, la musique que tu aimes écouter là, il faut couper le son qui est en bas là. Tu peux cliquer sur le truc de, si tu es sur YouTube, tu peux cliquer sur le truc de son là. Il y a une barre qui va venir se positionner sur le son. Du coup, tu as pu entendre la chanson. Et regarde les images qui sont dans les clips. Quand tu vas regarder les images, tu auras l'impression que la personne qui est en train de faire le clip parle à toi. Et cette personne te donne des messages que toi, tu dois avaler. En fait, que tu avalais sans t'en rendre compte. En fait, quand tu écoutes cette chanson-là, quand tu regardes le clip, avec le son en dessous, toi tu avales sans te rendre compte tout ce qui se passe dans le clip, que ce soit les bonnes choses, que ce soit les mauvaises choses. Si on te dit que tu es vilain, tu avales. Si on te dit que tu es joli, tu avales. Si on te dit pour abandonner Dieu, c'est là maintenant tu commences à dire mais ah, qu'est-ce qui n'est pas à vous. C'est ce qui nous a poussé à un moment donné à nous réveiller par rapport à un clip que nous avons vu hier. Ce clip, cette vidéo devait être postée hier, c'est-à-dire on devait faire cette vidéo hier. Mais regardez aujourd'hui, aujourd'hui c'est le 10 et à 11h35, c'est là nous sommes là. Parce que Dieu avait des choses à nous dire par rapport à cette histoire. Et c'est la vérité. Qu'est-ce qu'on a vu hier? Ce qu'on a vu, c'est qu'il y a un nouveau clip qui est sorti. Et ce nouveau clip qui est sorti là. Ah, c'est l'un des clips les plus simples que j'ai vu. Hein. C'est l'un des clips les plus simples que j'ai vu. Mais franchement, la chanson est puissante. Et aussi le message véhiculé. Bah, cette femme là même qui se trouve même dans le clip est un message aussi très puissant qui peut même vous faire détourner de la voix de Dieu, surtout les femmes. Ce sont les femmes même qu'on attaque la plupart du temps même dans les clips aujourd'hui. On attaque les femmes. On attaque les femmes seulement. Ah, on attaque tout le monde, mais les femmes en particulier quoi.
Qu'est-ce que j'ai vu dans l'écrit? Vous allez comprendre ici, mes frères et sœurs. Allons-y, tout doucement, nous allons arriver. Quand le clip commence, là le décryptage a commencé. C'est comme ça que vous devez analyser, écoutez bien comment ça se passe. Il y a l'introduction, il y a le développement, il y a la conclusion. Ça se passe exactement comme à l'école. Et quand le clip commence comme ça là, pose-toi la question de qu'est-ce qui va se passer au départ. Quand le clip commence, on voit une femme. Une femme qui est à la maison et qui reçoit un appel. L'appel de quelqu'un. Qu'est-ce qui ne va pas? Et du coup, elle se dit, c'est l'heure de se lever. Il faut que moi j'entre en action et je le montre ce que je sais faire. Et c'est quelques temps plus tard, cette femme va se lever. Elle va sortir, elle va aller à la rencontre d'un homme. Et cet homme qu'elle va rencontrer là-même, c'est l'homme avec qui elle va chanter. Mais de la manière, elle va se préparer pour aller à sa rencontre là. Ça va tout dire. Elle est passée dans une salle où on voyait des femmes qui étaient assises sur des chaises. Des très belles femmes. Et ces femmes-là, ce sont des femmes de haute classe. C'est-à-dire les femmes que tu les vois, tu sais que les femmes là, elles ont de l'argent. Et elle était parmi ces femmes là. Et tout de suite, on peut les voir assises sur des chaises, en train de se faire maquiller. Et on montrait les rouges à lèvres qui passaient à gauche et à droite sur les lèvres. La rouge à lèvres qui passe à gauche et à droite sur les lèvres. À ce niveau, qu'est-ce que tu vas te dire? Tu vas te dire avant de sortir, il faut bien se maquiller. Peut-être même que tu vas te dire que ton rouge à lèvres n'est pas trop sale, il faut changer pour avoir un rouge à lèvres encore plus beau. Ou bien comme ce qu'elle t'a présenté. Ça veut dire qu'à ce moment-là, le message est bien passé et le diable a commencé à t'instruire sur comment il faut maintenant utiliser des produits cosmétiques. N'est-ce pas un message? Bien sûr, forcément, ça va t'apporter quelque chose. Et cette chose que ça va t'apporter là, c'est dangereux parce que ce n'est pas une chose qui vient de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Dieu dans sa parole il a dit que n'aimez pas le monde ni les choses de ce monde. Celui qui aime le monde, l'amour de Dieu n'est pas en lui. Maintenant le diable va venir te dire qu'il faut aimer le monde, mais pas te parlant ouvertement. Il va te montrer des choses pour t'attirer, pour te séduire. Et pour les femmes, les choses qui les fatiguent le plus là, ce sont les produits de beauté, les maquillages, tout ça. Et le diable a vu ça, comme il a vu ça, il a décidé de vous les montrer dans les clips, de vous les présenter comme ça dans les clips, afin que vous puissiez également vous identifier à cela, même les aimer et les reproduire. Et cette femme-là, elle a décidé de faire la publicité de cette histoire. Or, concernant les produits de beauté, de maquillage, comment il faut embellir la femme, c'est une sirène. Ce sont les sirènes qui sont responsables de cela. Ce sont les sirènes elles-mêmes qui se chargent de la beauté corporelle de toutes les femmes de la terre. Ça veut dire qu'en ce moment-là, ça veut tout simplement dire qu'en ce moment-là, celle-là même qui sera en train de communiquer dans ce clip, ou encore le démon qui sera en train de vous parler, même si vous transmettez le message en ce moment où je suis en train de vous parler là, ça ne sera plus cette femme-là seulement. Ça sera un esprit mauvais qui l'accompagne, qui est tout simplement en train de vous dire qu'il faut s'habiller ainsi, il faut se comporter comme ça, il faut se préparer comme ceci. Là, le message commence à passer, les démons commencent à vous communiquer déjà les premiers messages qu'il y a déjà vous induisent dans le péché. Tous ceux qui vont faire comme elle, qui vont dès le commencement commencer à utiliser tous ces produits inutiles que le diable est en train de présenter comme ça,
Ils seront tout simplement tous dans le problème, même en train de pécher, parce que cette mode de vie-là ne vient pas de Dieu. Ça veut dire que l'enfant qui va venir au monde, ton enfant, dès que ton enfant ou même ta fille va voir ça, si elle, elle prend part à ces choses, elle sera en train de faire quoi? Elle sera directement en train de pécher. Voici comment, au travers d'un clip, quelqu'un peut recevoir de telles informations qui vont l'amener à pécher contre son Dieu. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Et qu'est-ce qui se passe après? Quand elle finit de se maquiller avec ses camarades, elle et tous ses camarades se retrouvent chez l'homme même qu'il a appelé. C'est-à-dire la deuxième personne avec qui elle va chanter. Et quand elle arrive là-bas, ce qui se passe, c'est qu'elle rencontre non seulement cet homme, mais pour entrer dans la salle où se trouvent même ses parents là, elle va maintenant entrer avec plusieurs personnes. Ou encore, elle va entrer dans cette salle, dans cette maison avec les femmes avec qui elle s'était maquillée, accompagnée d'autres femmes. Et c'est en ce moment-là qu'un signal sera donné. Un signal donné. Tout ça dans l'équipe. Hein? Un signal donné. Le refrain du clip, de la chanson va se mettre en position. Et c'est là que vous allez voir que toutes ces personnes qui étaient derrière la porte vont entrer dans cette maison dès que ça sera fait. Mais ce qui est étrange que j'ai vu, c'est qu'il y avait une personne sur laquelle la caméra était braquée. Et sa caméra était braquée sur ses doigts. Elle faisait comme ça, en direction des gens où elle va aller. Oh, ce signe ça là, c'est censé signifier quoi? Ça fait une corne, deuxième corne. Ça signifie la corne d'un démon qu'on appelle Baphomet. En clair, c'est le diable. Donc c'est comme si on disait que le diable maintenant va entrer maintenant dans la maison où ils vont aller, là où ils vont faire la fête là. Le diable maintenant va entrer là-bas. Et c'est entré dans où? Chez qui? Chez vous. C'est tous ceux qui vont déjà aimer les choses qu'on commence dès le commencement. Les maquilles, comme ils ont maquillé, les gens, toutes ces histoires, même d'autres choses. Et là, on nous présente l'arrivée du diable. Et est-ce qu'eux, ils ont ouvert la bouche pour vous dire ces choses? Non. Mais écoutez la musique. Regardez même le clip sans musique. Et essayez de comprendre pourquoi les gens mettent des symboles occultes dans les clips. Si les symboles occultes deviennent de plus en plus nombreux dans les clips, c'est tout simplement parce que les gens veulent montrer au diable qu'ils l'aiment ou qu'ils appartiennent au diable. Si ces choses ne sont plus cachées, à ce niveau de la compétition, vous devez savoir. Donc, premier élément, les produits cosmétiques, toutes ces histoires qu'on voit, ça nous rappelle que le démon même qui anime cette femme au commencement, dès le commencement, c'est un mauvais esprit. Voilà, c'est un mauvais esprit et c'est une sirène en clair par rapport aux produits de beauté, toutes ces histoires qu'on a vues. Maintenant, en deuxième lieu, quand elle va maintenant entrer et montrer les signes sataniques avec le corps du diable, ça veut dire que le démon qui l'accompagne même dans cette histoire, c'est un démon Baphomet. C'est un démon qui est très adoré dans la musique, qui donne aussi ses à certains musiciens. Et c'est le diable en clair qui va maintenant entrer en sur scène. Et quand le diable va se entrer sur scène, qu'est-ce qui va se passer? C'est en ce moment, on va voir l'homme qui va se mettre à chanter. Et la femme aussi qui va se mettre, elle aussi, à chanter, à danser de son côté. Est-ce que vous voyez, l'homme chante et la femme, elle danse. Et quand elle se met à danser, regardez la manière dont elle est habillée maintenant. C'est là maintenant que vous allez regarder. Regardez la manière dont elle est habillée. Regardez bien. Elle l'a habillée de façon sexy. Et elle l'a habillée de sorte à mettre en valeur ses parties les plus attirantes. C'est-à-dire les parties de son corps les plus qui peuvent vous attirer, que vous pouvez vous être censé aimer, que vous pouvez sans doute kiffer. Et ces parties-là, ça peut être ses fesses, ça peut être ses seins, bien exposées. La sensualité. C'est à ce moment-là
elle va se mettre à danser le twerk. Dans le clip, tout ça, c'est dans un clip, un seul clip. Tout ce que nous sommes en train de vous dire là, c'est dans un seul clip. Pour pouvoir faire cette vidéo, nous allons regarder ce clip 1, 2, 3, 4 fois, 5 fois, 6 fois, ça finit pas. Parce que quand tu regardes le clip et tu écoutes la chanson, vraiment, ne pas vous blaguer. La chanson a été faite d'une manière que tu vas te mettre à danser du début jusqu'à la fin, même sans t'en rendre compte. Tu vas aimer la chanson. Mais quand tu regardes le clip là, tu sens qu'elle est en train de t'amener, ou encore ils sont en train de t'amener à adorer le diable, sans que tu t'en rendes compte. C'est pourquoi il faut vraiment faire attention à cela. Maintenant, l'homme va se mettre à chanter de son côté, comme on vous l'a dit. Et la femme va se mettre à danser elle aussi de son côté, avec son habillement sexy. Ça va tout de suite vous amener dans une autre dimension. Elle va se déhancher sur scène. Vous allez aimer. Je vous assure, vous allez aimer. Vous allez apprécier. Et si vous aimez, vous appréciez ça, vous serez encore en train de pécher au deuxième niveau. Parce que Dieu encore a dit de ne pas nous affectionner aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt il faut les condamner. Est-ce que vous voyez? Voilà. Voici comment ça se passe. Voici comment ça se passe. Ça veut dire que quand toi tu vas voir une telle chose, que tes yeux s'ouvrent. Quand un chrétien va voir ça, que ses yeux s'ouvrent. Il ne faudrait pas que les chrétiens soient des gens qui avalent tout. Que c'est bon, c'est doux, c'est pas doux. Toi, tu avales. Tu te dis que, de toute façon, sur la terre même, on est venu pour s'amuser. Le diable est là et il travaille. On nous dit que le diable n'a pas le temps. Donc, il utilisera même les choses les plus simples pour pouvoir vous avoir. Vous ne savez même pas quelles sont les armes que le diable utilise. C'est ainsi contre vous. Et l'une de ces armes les plus puissantes que le diable utilise, c'est la musique. Et c'est de ça que nous sommes en train de vous parler. Et quand cette femme va se mettre à danser, elle va se mettre à bouger d'une manière que ses seins soient exposés. Et la caméra va filmer ses seins. Et la caméra va filmer ses fesses. Ou bien le triangle que fait là, sa partie intime. C'est-à-dire, la caméra sera fichée sur son bas-ventre. De sorte à montrer sa hanche, ses hanches, comment son déhanchement, comment elle bouge, comment elle s'amuse, comment elle fait comme ça, comment elle fait comme ceci. Elle bouge ses pieds comme ça, elle bouge ses pieds comme ceci. Tout ça là, c'est la danse. Avec les nouvelles danses que vous aimez, le diable va bien regarder quelles sont les danses que vous aimez même. Et cela va se mettre à introduire tous ces bonnes danses là-dedans. Rien que pour vous convaincre que vous êtes au bon endroit, vous êtes au bon moment, vous êtes au bon niveau de votre vie. Il faut continuer à avancer avec lui dans l'adoration au diable. Mon Dieu, dans quel monde sommes-nous? Vous pensez que quand on parle de pâte avec le diable, c'est juste pour rigoler? Ce n'est pas un truc qui est là pour rigoler. Ces choses, mes frères et sœurs, nous allons vous dire. Ces choses sont réelles, plus réelles que vous tenez. C'est ça. Et c'est ce qui va se passer tout au long de ce clip. Les gens vont se mettre à danser. C'est là où vous allez même voir d'autres filles. Et les caméras seront toujours figées sur les parties les plus attirantes de la femme, exposant ainsi le corps de la femme, poussant certains à l'impudicité ou encore une vie débauche. Les gens insatisfaits d'une femme vont tout simplement se dire, mais si je prenais toutes ces femmes sur mon lit. Et pendant que vous aimez toutes ces choses, le diable s'installe dans vos cœurs. Voici comment le diable s'installe dans vos cœurs et il vous prépare à l'accepter, même à vous identifier à lui, au travers des messages subliminaux, même des symboles occultes, même des signes, au travers des signes. Quand un sorcier fait un clip ou met des signes, c'est que lui montre à ceux qui le soutiennent là, qu'il est vraiment avec eux. C'est comme s'il leur disait merci
Merci les gars, vous êtes en ensemble. Nous sommes des frères. C'est ce qu'ils disent. Eux-mêmes, c'est ce qu'ils disent. Et toi? Est-ce que tu es un sorcier? Est-ce que tu appartiens à Satan? Nous allons te dire. Faut faire attention, mon frère. Faut faire attention, ma soeur. Ma soeur, faut faire attention. Dieu merci. Aujourd'hui, il y a des gens qui se réveillent. Et les gens commencent à comprendre que le diable est là. Et aujourd'hui, dans la mesure que le diable travaille. Et c'est à ce moment-là, beaucoup de personnes vont commencer à décrypter les clés pour vous montrer que Satan est ici, Satan est là, Satan est de l'autre côté. Malheureusement, il y a beaucoup de personnes encore qui vont se dire que c'est de la blague et que tout ce qu'on raconte là, ce sont des choses qui sont faites pour nous amuser. Moi-même qui vous parle, je n'y croyais pas avant. Mais à un moment donné, là, ça suffit. Comment se fait-il qu'il y ait toujours des clips sataniques, des symboles aucun comme ça? Ou que les symboles sataniques de l'équipe? Qu'est-ce qui ne va pas? Ça vous amène à réfléchir. On reconnaîtra les mauvais hommes de Dieu, les faux hommes de Dieu par les œuvres. C'est pas ça la parole de Dieu nous dit. La parole de Dieu nous dit qu'on reconnaîtra les faux par les œuvres. Aujourd'hui là, c'est ça. Et si tu dis que c'est la musique moderne et que c'est normal qu'on mette toutes ces choses, c'est vrai, tu as raison. Et les clips, les chrétiens, mais qu'est-ce qui se passe? Même dans la musique chrétienne aussi, ça se passe. Et c'est la même stratégie. Les stratégies sont les mêmes. Même dans la musique chrétienne, il y a de telles choses qui se passent. Dans la musique chrétienne, eux, ils ne vont pas trop s'exposer en montrant une femme qui est habillée de façon sexy. Mais ce qu'on va vous montrer, c'est ce qui s'est passé au commencement de ce clip même que nous venons de vous décrypter là. Ils vont vous montrer une femme. Une femme qui sera très belle. C'est-à-dire la fille là, ou encore la femme que vous allez appeler même la chante chrétienne. Cette chante là, elle serait très 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 belle. Et sa beauté sera soutenue par une puissance extérieure. Et cette puissance ne vient pas de Dieu, dans la mesure où les produits qu'elle a utilisés pour pouvoir s'embellir de la sorte ne sont pas du tout vraiment de Dieu, parce que ça vient d'un démon. Et ça vient de qui? Ça vient des sirènes. Et ces produits sont quoi? Ce sont des make-up. La chrétienne qui va se mettre à chanter, elle va avoir des make-up pas comme les autres. C'est-à-dire son visage sera rempli de peinture comme ça, gâchant ainsi la chose la plus précieuse qu'elle a, qui est sa partie naturelle, son côté naturel. Oui, endommageant ainsi le caractère de Dieu qui se trouve en elle. Et qu'elle va se mettre à chanter même avec ses mèches, ou encore ses faux cheveux. Le tout réuni va tout simplement l'éloigner de la gloire de Dieu. Et au fur et à mesure que vous allez commencer à l'aimer et faire comme elle, vous aussi vous serez en train de pécher avec elle. Parce que c'est Jézabel. C'est le démon même qui est là, sous vos yeux, à l'église. À l'église, mes frères et sœurs. À l'église. Dans le club chrétien. Il n'y a pas longtemps, nous avons reçu un témoignage. Même après cette vidéo, une témoignage va suivre. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous, mettez à côté sur la cloche de la TV. Et ne manquez surtout pas les prochaines vidéos, mes frères et sœurs. Dans le témoignage que nous avons reçu, on a vu une personne qui a dit qu'elle a visité l'enfer. Et quand cette personne a visité l'enfer, elle a vu une chaîne chrétienne là-bas. La chaîne chrétienne était de souffrir dans le feu. Elle était de crier dans le feu. Elle était de se lamenter dans le feu. Demandant même à ceux qui sont là d'informer les frères chrétiens là, que les produits de beauté, les cheveux, les make-up, tout ce qu'on nous montre même à la télévision, c'est dangereux pour nous et ça conduit la plupart du temps en enfer.
Et elle encourageait certaines personnes à ne plus même écouter ses musiques. Elle disait, n'écoutez plus mes musiques. Parce qu'en réalité, je ne parlais pas du vrai Dieu. C'est vrai, elle disait Jésus-Christ, mais c'était un autre truc. C'était une autre personne que j'invoquais. Mes frères et sœurs, ce qui se passe, c'est que ces personnes-là, elles-mêmes, qui sont dans de telles industries ou encore dans de telles choses, sont manipulées et utilisées comme des marionnettes. Ou encore utilisé par des marionnettistes pour pouvoir faire tout simplement ce qu'elles sont en train de faire pour le conduire plus tard en enfer. Et le danger ici, c'est que quand une telle personne qui chante, même qui est aimée par tout le monde, elle meurt dans son état de péché avec les symboles occultes qu'elle a balancés partout dans le monde, avec les messages de sensualité qu'elle a balancés partout dans le monde, ce qui se passe, c'est que les démons vont l'accueillir là-bas. Et tous ceux qui vont écouter sa musique sur la terre, pendant qu'elle serait là-bas, ce qui va se passer, c'est que ces tourments vont se multiplier. Oui, ces tourments vont se multiplier. Et c'est là même, c'est encore plus grave. Toi, ma soeur, si tu es du sud de la musique et tu participes à un tel truc, ou tu profites du fait que tu as un beau corps et tu les exposes comme ça à la télévision, ou bien dans tes clips. Ma soeur, nous allons te dire, tu es en train de pécher, toi mais tu sais. Ou bien si tu ne sais pas, nous on te dit aujourd'hui. Qu'est-ce que tu as en train de faire là? Tu es en train de pécher, c'est Dieu lui-même qui te parle, ma soeur. Si tu as envie, lève les mains vers le ciel comme ça. Lève les mains vers le ciel, dis merci Seigneur. Je suis dans vie. Répare-toi et sors de tes voies. Parce que là où tu vas aller là, la pauvreté même est mieux. Celui qui est pauvre là, tu seras content. C'est trop. Au lieu d'aller là-bas. Parce que c'est un lieu terrifiant. Même vous raconter ici, même pour vous parler de ce lieu-là, même, ce serait insuffisant. Vous devez vraiment être prudent. Ma soeur, tu dois être vraiment prudente. La musique aujourd'hui, c'est devenu un instrument. Qu'est-ce que c'est tout sur ma tête? C'est un casque. Elle utilise ce casque pourquoi? C'est moi qui utilise ce casque. Donc la musique là, c'est cet instrument là que le diable utilise. Comme ça. Pour vous donner quelque chose de mauvais. Mais on peut dire, là, pour vous pousser à accepter des choses mauvaises. Les gens aimaient les musiques d'un rappeur. Ils ont kiffé sa musique. J'ai tellement kiffé ces musiques à un moment donné, la maison n'y a qu'au. Parce que j'ai même écouté ces musiques des millions de fois. Et un jour à son concert, quand ils sont arrivés là, ce même artiste rappeur là, il a ouvert la bouche et il a dit à tous ceux qui se trouvaient même à ce concert, que tous ceux qui sont ici ont péché avec moi. Et ils iront tous en enfer avec moi. On en a parlé sur un souvent, on a fait une vidéo même qui parle de ça, lui-même il est là et puis il parle. Ça m'étonne. Mais qu'est-ce qu'on a fait et puis on ira en enfer avec toi? Il dit que vous avez écouté mes musiques des millions de fois. Vous avez fait ce que je vous ai demandé de faire. Le tout réuni est égal au péché. Et le seul fait que vous soyez à mon conseil, même vous êtes déjà en train de pécher. Et il avait raison. Il dit néanmoins je vous aime tel que vous êtes parce que vous au moins vous savez que vous me suivez en enfer. What? Eh bien j'hallucine ou quoi? Il parlait ainsi, il parlait comme ça en plein conseil. Les gens pensaient qu'il était devenu fou. Quand certains artistes se mettent à parler ainsi là, la plupart du temps les gens disent que il devient fou. Ce qui t'a dit là, c'est la vérité. Il t'a craché la vérité en face pour te dire, mon frère, ma soeur, le chemin que tu as dessus avec cette histoire de la musique profane que tu prends et puis tu en fais ta propriété là, c'est exactement ce qui va te conduire dans les problèmes plus tard. Si tu négliges ce passage ou encore ce domaine là, c'est le moment de te réveiller et de faire attention. Et tout ce que nous venons de dire là doivent t'aider
à regarder à nouveau tous tes clips. Regarde, les clips les plus... C'est-à-dire les musiques les plus extraordinaires que tu as mis. Regarde bien les clips. Va sur Google, cherche les symboles occultes. Fais une comparaison. Y a-t-il des symboles, y a-t-il d'abord des make-up ou encore les produits de beauté dans ces clips? Est-ce qu'on publie ces trois éléments, le sexe, drogue, argent, dans le clip que tu regardes même? Et regarde s'il y a les symboles occultes. Si tu vois tous ces éléments-là dans le clip, or ce clip est censé t'aider à te sentir bien, fais attention. Parce que la chose même que tu dis que ça t'aide à te sentir bien là, ça sera même la chose là même qui va te conduire dans les problèmes plus tard. Et nous devons te dire cela, nous devons être les premiers à t'informer de cela. C'est pourquoi nous avons fait cette vidéo là même. Ne manque pas les prochaines vidéos sur Yanskoba. Sans doute tu découvriras des choses qui vont même t'étonner. Nous serons témoins puissants. C'est-à-dire nous allons regarder une vidéo de type témoin puissant. Nous allons découvrir même des choses qui font même plus peur que ça. Si tu n'es pas abonné, clique sur abonner, clique sur la cloche de la TV. Clique sur la cloche de s'abonner. Vous devez vous abonner. On s'abonne une fois. Tu t'abonnes, tu cliques sur la cloche de la TV, tu vérifies bien que tu as c'est activé. Et clique sur j'aime pour que d'autres personnes puissent voir la vidéo. Parce que le système YouTube va te permettre, va permettre à beaucoup de personnes de voir la vidéo quand tu vas cliquer sur j'aime. Comme toi seul, c'est moi, tu vas cliquer sur j'aime là. Ça va permettre à la vidéo d'être en bonne position, que d'autres personnes puissent avoir être sauvées. Et en cliquant sur Yanskoba, tu as accès à notre page d'accueil. Vous allez voir d'autres chaînes qui nous appartiennent. Yanskoba 2, Yanskoba 3. Abonnez-vous si vous êtes prêt pour la prochaine vidéo. Faites attention, mes frères et sœurs. Faites attention à ce que vous voyez. Maintenant, il y a des femmes qui s'habillent de façon sexy. La fille, la dame, elle est habillée là. Toi-même, tu sais que c'est pas normal. Mais c'est quoi? Où elle a appris ça? C'est dans les clips. C'est dans les clips là. La nouvelle chanson, ça pousse les gens à se faire des choses bizarres, à s'habiller n'importe comment, tout ça pour déplaire à Dieu. Mais ces gens ne le savent pas, c'est juste que c'est la fête et que le truc qui va dire on doit quand même s'amuser. Oui, regardez la société, même un président, quand il veut vraiment toucher les jeunes ou même toucher le cœur des gens, qu'est-ce qu'il fait? Il va aller se coller à une star de la musique comme ça, afin de bien faire passer son message. Et c'est exactement ce que le diable fait. Regardez bien dans la société là encore, la violence. Quand quelqu'un écoute, quand un jeune écoute une musique qui parle sans cesse de violence, on voit des âmes, on dit tue, on fait comme ça, boum, même des âmes dans le clip. Qu'est-ce qui se passe? Lui aussi s'est dit que s'ils ont présenté cela dans le clip, c'est que c'est une bonne chose à faire dans la vie réelle. Et c'est en ce moment le petit va se mettre aussi à avoir des âmes. L'enfant a 15 ans, il a déjà une âme. Oui, il y a un homme qui a raconté ça. Il a un enfant de 15 ans est venu le voir pour lui donner son âme. Et il lui a posé la question de savoir, mais est-ce qu'il est permis à un homme de donner la vie à son semblable? Un innocent même de se croire. Parce que, en fait, lui-même, il venait de tuer 15 personnes. Et personne ne sait. Comme le petit, personne ne sait. C'est exactement comme ça, la musique, c'est comme ça là que la musique est. Elle est petite, elle a l'air simple. Elle a dit que c'est gens pour rigoler. Mais les messages qui sont transmis aujourd'hui au travers de la musique vont bien au-delà de même ce que nous sommes en train de raconter ici. Ça m'étonnerait que ce soit la dernière vidéo de City. Sans doute d'autres clips vont venir. Hein. Nous allons analyser les nouveaux clips qui vont sortir et la sorte. Pourquoi nous vous avons pas dit le nom du pays de ces histoires? Si on ne vous a pas dit le nom de ces histoires, c'est parce que ce n'est pas nécessaire. De façon générale, c'est ce qui se passe que nous avons raconté ici. Maintenant, vous-même, identifiez. C'est quoi cette musique que j'écoute? Qu'est-ce qui se passe? Et vous-même prenez la décision ferme d'abandonner ces choses et d'aider aussi d'autres personnes à les abandonner, à en sortir. Parce que ça, c'est un état de péché. Les gens sont en train de pécher quand nous écoutons de la musique. Il y en a un bouton, des choses qui ne plaisent même pas à Dieu. Le nom, les démons, encore le diable. Même le style de la musique peut conduire les gens même dans les problèmes. Et une musique qui a été donnée même par le diable, par le diable lui-même. C'est-à-dire, c'est un démon qui est descendu en plein concert
et qu'elle déposait carrément ce CD là comme ça sur le stage, sur le podium, devant ces gens qui chantaient là. Et cette musique a été produite aujourd'hui. Et cette musique quand même, comment par H, ça se fait, ça se termine par P. C'est comme ça s'appelle le style de cette musique. Nous en parlerons sans doute dans la prochaine vidéo. Abonnez-vous, ne manquez pas les prochains témoignages qui sont puissants. Nous allons découvrir les choses vous-même plus de temps. Et vous êtes un ne manquez pas de partager cette vidéo, c'est que c'est cher. Abonnez-vous. On se retrouve.